Bonsoir, satisfait de ce résultat nul, Olivier, ce soir ? Satisfait, non, pas spécialement, parce que quand on regarde, on va dire, l'ensemble et la physionomie du match, on va dire que le nul est tout à fait logique. Mais après, quand on est capable de mener 1-0 et bon, qu'on subit les foudres un petit peu de cette équipe niortaise en deuxième mi-temps, on a quand même des opportunités pour aller marquer ce deuxième but sur des occasions énormissimes et qu'on ne réussit pas à concrétiser. Donc, on va dire que cette équipe niortaise nous a poussé sur nos derniers retranchements en deuxième mi-temps. Et on a été malmené, donc c'est tout à fait logique qu'ils reviennent dans la partie. Donc de la frustration, mais on sait que les matchs de Ligue 2, c'est souvent comme ça. On a senti un match tendu, surtout en deuxième mi-temps. C'était les séquelles du match aller, du match de Coupe de la Ligue, Ouais, tendu un petit peu sur la fin, mais bon, après, ça fait partie un petit peu du jeu. Il y a de beaux matchs à chaque fois qui se concrétisent entre les deux équipes, où il y a des buts, il y a du suspense, il y a de l'engagement. Bon, ça fait partie de tout ça. Après, bon, ce qui peut se passer, c'est vrai qu'il y a un petit peu de tension. Il faut savoir faire avec. On sait que votre club a changé de propriétaire récemment. Oui. Des impacts sur le plan sportif, sur le plan psychologique, c'est compliqué ou pas ? Écoutez, non, les choses sont en train de rentrer tranquillement dans l'ordre. Je pense que c'est vrai qu'on attendait ça impatiemment. Ça a été assez long tout au long de la saison dernière. Là, les choses maintenant sont en train de très très bien évoluer. Maintenant, on n'attend qu'une chose, c'est récupérer encore quelques joueurs d'ici la fin du mercato, de façon à étoffer notre groupe. Et puis que le mercato se termine pour que voilà, tous les joueurs soient imprégnés du projet et puissent tendre vers ça. Des mots mercato, vous en avez au moins recruté un, qu'on connaît, ouais. Un ici à New York, ouais. Un bon gaucher, satisfait de sur Cotemont. Ah oui, très content, ouais. On voulait enlever, oui. Mais bon, il fait partie bien sûr de ces très très bons joueurs de Ligue 2 qui ont un potentiel important. Je crois que Florian est très heureux de nous rejoindre et d'apporter cette plus-value qui nous manque sur le côté ou dans l'entrejeu. On connaît sa qualité de passe, sa qualité de frappe, sa qualité sur les coups de pied arrêtés. Je pense que ça va être véritablement un atout. Pour en venir au match, le premier quart d'heure, deuxième période, c'était compliqué pour votre équipe. Oui. Vous avez fait le 2-1, vous avez pensé à ce moment-là que le plus dur était fait ? Ben, ça a duré plus d'un quart d'heure quand même, hein, parce qu'on a eu du mal à sortir de notre surface de réparation. On avait tendance à jouer assez bas. Et parce que cette équipe niortaise nous mettait constamment la pression, nous a percuté dans l'axe avec Koné notamment, sa puissance. Et puis derrière, des garçons comme Roy, comme Omrani, qui sont capables de vite enchaîner, qui techniquement sont à l'aise. Après, pour nous, c'est vrai qu'il fallait faire le dos rond, ce qu'on a réussi à faire avec beaucoup de difficultés. Mais on a eu des situations de contre incroyables, quoi. Incroyables, et on aurait dû se mettre véritablement à l'abri. La balle de break à la 82e avec Fossoyer notamment, c'est le gros regret. Ben, c'est l'un des regrets, oui, mais il y en a eu deux autres aussi, hein, qui ont été assez importants. Et malheureusement, après, quand vous encaissez un but, vous êtes déçu et frustré de ne pas avoir su conserver ce but d'avance et surtout de ne pas avoir marqué ce deuxième, qui nous aurait permis de reprendre les trois points. Ouais, on sait, mais bon, on était prévenus, je les avais prévenus que les coups de pied arrêtés, c'était une des forces de cette équipe. On avait vu déjà en Coupe de la Ligue, on avait eu, on va dire, quelques soucis au niveau du marquage, au niveau de l'anticipation. Après, c'est juste une histoire de responsabilité. Quand vous êtes dans une surface de réparation, il y a un coup de pied arrêté, il faut savoir le prendre son joueur, ne pas le lâcher. Et par moments, il y a beaucoup de trop d'espace sur le marquage. Écoutez, rien de particulier. Je pense que j'ai pas tout vu, mais bon, moi j'ai juste voulu protéger mon très très jeune joueur qui est Marcus Thuram, qui est un joueur qui vient de signer son premier contrat professionnel, qui connaît pas encore, qui manque de repères. Après, je peux pas vous dire ce qui s'est passé. Moi, ce que je voulais surtout, c'est protéger mon joueur et de façon à ce qu'il rentre pas dans ses tensions et dans ses faits. Votre gardien fait un gros match aussi, avec 3-4 parades décisives. Ouais. Ce genre de match, une ou deux individualités. Ouais, je crois qu'Olivier a fait, c'est vrai, globalement un bon match. Bon, après, c'est vrai qu'il a concédé quand même pas mal de situations, pas mal d'occasions, notamment en deuxième mi-temps. Il a essayé de s'en sortir.
il a réussi à faire, en tout cas, tenir le résultat le plus longtemps possible. C'est vrai qu'on aurait préféré ne pas en prendre, mais c'est comme ça. Régis, match nul largement mérité au final. Au final, oui. S'il y avait au moins le minimum à faire, c'est de match nul. Donc voilà, ça a été fait. Mais bon, dans la douleur, beaucoup d'efforts, troisième match. Voilà, moi je félicite les joueurs. Félicite les joueurs, vraiment. Vraiment, je leur tire un grand coup de chapeau. Ouais. Je suis fier d'eux ce soir. Ouais. Je suis fier. Parce que c'était pas facile. Et puis ils auraient dû être récompensés avant. Ouais. Mais c'est un problème depuis le début. Hein. Il nous faut beaucoup d'occasions. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est pas possible d'avoir autant d'occasions de but sur une deuxième mi-temps et de pas marquer. Et on marque sur une situation arrêtée. Donc on doit pouvoir marquer avant. On doit pouvoir marquer avant. Voilà, comme je vous le dis souvent, hein, le foot, ça se passe dans les deux surfaces. Et aujourd'hui, ça ne veut pas nous sourire dans la surface adverse. Voilà. Il y a eu notamment un très gros début de deuxième mi-temps, un premier quart d'heure avec 6-7 occasions nettes. C'est quand même quelque chose de positif, cette réaction contre le vestiaire. Bien sûr que c'est positif. Bien sûr que c'est positif. On fait une entame de match intéressante. On a les deux opportunités, les deux premières opportunités. Sur leur première sortie, ils marquent. On est un peu naïf sur ce coup-là. Et puis, après, on sent qu'on est à la limite de la rupture parce que ça nous fait mal de prendre ce but-là. Et puis, il y a cette entame de deuxième mi-temps. Là, on fait les nécessaires. Il y a une répétition de coups francs, de coups de pied arrêtés, des occasions en veux-tu en voilà, des descentes, même les qui ne sont pas toujours arrivées. On a manqué de justesse dans le dernier geste aussi, dans la passe, parce qu'on a eu les situations pour faire le bon choix. Je pense qu'on n'a pas suffisamment frappé au but non plus, parce qu'on en a eu les opportunités. On a voulu assurer la dernière passe. Voilà, donc c'est le minimum d'être revenu au score. J'ai l'impression d'avoir fait le même match que la saison dernière. Voilà. La différence que nous, on était à 10 rapidement. On avait dominé le match, puis voilà. Là, on est revenu au score et peut-être moins positif, Régis, c'est justement ce but à nouveau encaissé en début de match, comme contre Valenciennes, en fait. Ouais, là, c'était à la 11e. Quand j'ai regardé le temps, 11e. Ouais, sur leur première incursion, sur notre côté droit. On prend ce but sur un centre deuxième poteau. Voilà. Alors, c'est vrai que ça arrange pas les choses, parce que c'est encore un handicap. On sent que l'équipe prend un coup derrière la tête, mais voilà, en deuxième mi-temps, ils ont démontré des qualités morales, mentales, importantes. Parce que si vous n'avez pas ces qualités sur cette deuxième mi-temps, vous ne vous remettez pas au score contre ce type d'équipe qui dégage beaucoup de maturité, d'expérience, casser le jeu. Voilà, ils utilisent tout. Voilà, mais ça s'appelle l'expérience, tout simplement. Chose que nous, on n'a pas encore. Régis, c'est d'où connaît, c'est blessé tout seul. Ne comptez pas sur moi. Je ne suis pas une pleureuse. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas parler des autres. Ça ne m'intéresse pas. La seule nouvelle, d'après le corps médical, est peut-être une fracture de la jambe. Voilà, point. Ça s'arrête là. C'est tout. Ça suffira amplement. Ton côté droit un petit peu habituel, la fin de saison dernière, Tristan Lahaye et Kevin Malcuit un peu plus haut, ça a de nouveau bien fonctionné. Oui, je pense qu'on aura pu mieux faire. Kevin s'est pas beaucoup entraîné cette semaine pour diverses raisons. Je pense qu'il aurait pu nous amener encore autre chose. Alors on sait qu'il nous amène de la vitesse, de la percussion. Je trouve qu'il a abusé un peu de jeu individualiste, à vouloir y aller tout seul. Il aurait pu de temps en temps s'appuyer sur les autres ou sur des 1-2 ou sur du jeu à 2, à 3. Il l'a pas fait, il pensait faire des différences seul. Voilà, après on connaît ses qualités. On connaît ses qualités et ses défauts. Donc voilà. Ce soir, on a vu ses qualités et on a vu ses défauts aussi. La sortie de Kevin Rocheteau, premier remplacement, il semblait en forme, enfin un bon match, c'était physique. Il vous semblait en forme. Il a une grosse occasion. Je les ai trouvés très intéressants en Coupe de la Ligue, David Gigla et Kevin Rocheteau. Donc il était prévu dans le scénario du match, le match, je les avais prévenus avant le match qu'ils allaient se partager tous les deux, parce que je pense qu'avec la vitesse de l'un et de l'autre, on pouvait faire des différences. Donc c'était prévu. Il a fait des choses intéressantes, Kevin. Malheureusement, il n'a pas bien fini. Mais c'était pas mal. C'était pas mal. Mais bon, c'était prévu comme ça. Sur les deux matchs de la semaine, tu as quand même des choses positives qui...
Oui, il y a beaucoup de choses positives, mais aujourd'hui, voilà, on n'avance pas au niveau, dire le contenu des matchs, dans ce qu'on peut proposer, ce qu'on présente, c'est intéressant. Mais bon, encore une fois, il faut être efficace. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus à part la mettre au fond ? Donc, oui, c'est intéressant. Bon, on a débloqué notre compteur points. Parce que ça sentait pas bon au moment. Donc j'espère que c'est la bonne nouvelle aussi du moment. Voilà, débloquer ce compteur point. On savait qu'on avait un début de calendrier compliqué, ben ça le prouve au niveau comptable. Voilà, il va falloir aller chercher. De toute façon, on sait que ça va être une saison comme ça. Mais bon, moi j'ai confiance en ce groupe. Voilà, j'ai confiance. Malgré le gros point noir. Ah non, mais ne comptez pas sur moi pour parler de ça. Je vais pas pleurer. Le fait d'avoir débloqué le compteur point, même si c'est qu'un petit point, ce soit psychologiquement, c'est quand même important. Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important. Les garçons, ils étaient pas bien à la mi-temps. Ils étaient pas bien, il y a eu beaucoup d'abattements. Voilà, on sentait que... Puis ils ont pris le bon bout début de deuxième mi-temps, ça les a remis en confiance et puis on a vraiment fait de belles choses. Je pense que si on arrive à égaliser avant, on peut le gagner. Alors après, c'est une équipe qui est très dangereuse sur les attaques rapides parce qu'ils ont des joueurs qui vont vite devant. Donc on sentait qu'on était sur le fil du rasoir aussi. Mais voilà, il y a eu des prises de risques de la part de tout le monde. Voilà, on a été justement à récompenser des risques. Voilà, et de l'engagement qu'ils ont mis dedans. Justement, vous aussi. On a parlé quelques secondes ensemble, mais ça montre bien que voilà, ils n'étaient pas là pour lâcher. Non, parler de l'aspect technique et tactique sur à la mi-temps, c'est de les remobiliser, mais c'était pas chose simple pour eux. Et voilà, il remplit son rôle parfaitement aujourd'hui. Donc je suis vraiment très très content de ce qu'ils ont produit. Voilà, dans l'engagement, on voit bien que c'est un groupe qui lâche pas. Voilà, donc. Le public qui a donné un peu de voix, qui nous a poussé aussi un petit peu, ils sentaient bien qu'on faisait le nécessaire. Donc, on va être récompensé à un moment ou à un autre. Mais on n'est pas plus con que les autres. On n'est pas plus con que les autres. Si je peux me permettre.